Salut, je m'appelle Gaël Payssan, j'ai 23 ans et je suis étudiant en Master MEF Arts Plastiques. C'est tout simplement la formation qui te prépare au concours de l'enseignement du second degré pour devenir prof d'art plastique, bien joué. L'avantage, c'est que le débouché professionnel, il est direct parce qu'on sait déjà ce qu'on veut faire. Et si, comme moi, tu t'es toujours intéressé à la création, que tu as toujours un peu pratiqué et surtout que tu as toujours aimé partager ton goût pour l'art autour de toi, bah je pense que l'idée d'être prof, elle t'a déjà trotté dans la tête et du coup, cette formation, elle est faite pour toi. En fait, c'est simple, chacun de nos cours nous prépare aux épreuves qu'on va passer pour le CAPES d'art plastique. Et donc, il y a un très bon équilibre entre la part de pratique et d'apport culturel. Pour pouvoir entrer en Master MEF, il faut avoir un Bac plus 3 ou équivalent. Donc la voie logique, c'est de faire une licence d'art plastique, prendre en troisième année l'option didactique. Mais les cursus peuvent être très différents. La preuve. Ben moi, j'ai fait une licence art plastique. J'ai fait une MANA, j'étais en bac pro ébéniste, puis au fur et à mesure, je me suis réorienté en licence 3 dans l'option didactique. J'ai fait un bac pro. La passion de l'enseignement m'est venue pour ensuite atterrir dans le Master MEF. Mais surtout, le gros point fort de la formation, c'est qu'on va être amené à réaliser deux stages de 2 semaines chacun. Le premier où on est qu'observateur. Et ensuite, le deuxième stage de 2 semaines, on aura l'opportunité de proposer notre propre séquence de cours. C'est vraiment génial parce que ça permet de toucher du doigt en vrai le métier d'enseignant auquel on se destine quand on entre dans cette formation. Et je crois que dans ma promotion, je suis pas le seul à avoir adoré le stage. J'ai beaucoup apprécié. Assez passionnant. Ça s'est super bien passé. J'ai carrément adoré. J'ai failli pleurer quand ça s'est fini. On voit vraiment le métier. Le contact avec les élèves, le fait de pouvoir donner des conseils. Il y a vraiment un retour de chaque côté. Nous, on donne de l'information, mais on reçoit aussi de l'information. Le fait de proposer sa propre séquence, c'est satisfaisant. L'expérience de stage, c'est fondamental. C'est pas simplement l'occasion de découvrir comment on fait une préparation de cours, comment on gère la parole et tout ça. C'est qu'est-ce qui se passe véritablement dans une salle de cours. Il faut savoir que prof d'art plastique, c'est vraiment un métier qui va te permettre de conjuguer ta passion des arts avec ton amour du partage et de la transmission. On a toujours la curiosité de voir ce que les élèves ont fait. Et voilà, ça change tout le temps et ça, c'est génial. Et pour terminer, quelques petits conseils pour toi. Un étudiant idéal de Master MEF, c'est quelqu'un qui a du désir et qui a une énergie. Voilà, c'est un métier qui fatigue. Donc il faut être convaincu.